Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une petite recette de noix de Saint-Jacques avec sa petite crème bien assaisonnée. Voilà. Noix de Saint-Jacques poêlée avec sa crème. On va tout de suite se retrouver devant la planche et le plan de travail pour voir comment réaliser ce petit plat succulent. Alors, pour réaliser mes Saint-Jacques, alors, soit fraîches, soit surgelées, mais si vous utilisez du surgelé, vous les faites dégeler avant de les cuire. Quoi qu'il en soit, fraîches ou surgelées, on les passe sur un papier absorbant pour enlever l'excédent d'eau. On a une cuillère à café de persil haché, du poivre blanc, du sel, de la crème fraîche liquide, de l'huile d'olive, de l'échalote ciselée, et un jus de citron vert, huile d'olive, alors on va déposer délicatement nos Saint-Jacques, mais rapidement. On sale un petit peu, on poivre blanc, on retourne sur l'autre face. On dessert. De ça. Ça va très vite, hein, tu vois. Alors, on les laisse 50 secondes de chaque côté. C'est cuit, hein, 50 secondes de chaque côté, largement. Ça cuit très vite, la Saint-Jacques. Hein. Et au moins, elle ne sera pas trop cuite. Petite coloration, c'est toujours plus agréable que blanc. J'ai coupé le feu. Ça, j'enlève un peu. C'est trop bon. Je vais retirer l'huile qui reste complètement. Je jette mon échalote dans ma poêle. Je vais la faire juste raidir un petit peu. Je gratte le fond de ma poêle avec mon échalote. Je nettoie ma poêle pour éviter que la croûte qui est au fond, qui est très bonne cependant, ne noircisse trop. Voilà, c'est l'affaire d'une minute à peine. Je viens déglacer avec mon jus de citron. Feu, je gratte ma poêle pour déglacer ces sucres et récupérer dans ma sauce. Voilà, ceci. Je vais laisser mon jus de citron réduire de moitié à peu près. Voilà. Je mets mon restant de sel sur les 3 grammes pesés. Je m'en suis servi pour assaisonner directement mes noix de Saint-Jacques. Environ 1 gramme et les 2 grammes restants, ils vont là avec le citron maintenant. Je mets ma crème, le citron arrive de moitié. Je vais faire monter ma crème à ébullition et ce sera quasiment terminé. Alors, la crème, on va la laisser bouillir 30 secondes à tout petit feu. Peut-être même pas. On va voir ça. Elles réduisent très légèrement. Voilà, la crème, une minute, ça suffit. On coupe les gaz. On se retire du feu. On va venir mettre le persil dans notre petite sauce. Le persil au dernier moment et on ne réchauffe plus la sauce. Hein, juste avant d'envoyer pour garder le beau vert du persil. Sinon, après, le vert... Si on fait rebouillir, elle va virer au kaki, et là, c'est pas beau. On envoie la sauce au fond du plat. On dépose nos Saint-Jacques. Le Saint-Jacques est goûté de tout leur gras, hein, bien sûr. Le corail, un coup en haut, un coup en bas. Petit peu de ciboulette pour terminer.
Bon les amis, opération Saint-Jacques, coquille Saint-Jacques terminée. Goûtez-moi ça. La sauce au citron vert. Le citron vert, il est atténué par la réduction qu'on fait quand on déglace avec. Et on fait réduire. Donc son acidité légèrement atténuée pour se mettre en osmose avec le goût de la Saint-Jacques. Cette sauce avec les Saint-Jacques, c'est tout simplement terrible. Goûtez-moi ça. Vous mangez les nouvelles. Voilà. Sur ce, pensez à liker la vidéo si ça vous a plu, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao les amis, hasta luego.